Vengo del agua que el tiempo oscurece, de esas miradas que ya ni se miran. Vengo queriendo colgar en paredes todas mis ansias, batallas perdidas. Vengo volando y despeinando, vengo soñando y calculando mi aterrizaje en tu dilema. Vengo del viento recién cortado, y es que yo vengo desde mar adentro, cargando las luces de todo el universo para alumbrarte un beso. Vengo naciendo aunque venga algo muerto, y ahora en tu piel vengo a esconder mis versos. Vengo queriendo ganarme tu alma, tu soledad rellenarla de encuentros. Vengo perdido y algo aturdido, vengo midiendo y susurrando un gran asalto a tu sonrisa. Vengo dispuesto, vengo esperando, y es que yo vengo desde mar adentro, cargando las luces de todo el universo para alumbrarte un beso. Vengo de esa gota de rocío que ha empañado todos los sentidos. Vengo del frío, de las nostalgias. Vengo de esa lluvia pasajera que ha empapado todos los caminos. Vengo de un hilo y con sonidos vengo a contar contigo. Jimena, sors toutes ces saletés d'ici et renvoie-les! Tu as compris? Et ne crois pas que je suis injuste avec elle, tu as entendu? Non, mais pourquoi faites-vous ça, mon Dieu? Mais... Je ne t'ai pas demandé ton avis. Fais ce que je te dis. Cette femme n'entre plus ici! Cette maison n'a de propriétaire que Miranda. Mais comment pouvez-vous faire ça, madame, s'il vous plaît? Comment vais-je lui ramener toutes ces choses-là? Eh bien, évidemment que oui, tu lui ramènes et point. Ici, il n'y a plus de madame Raïssa. Et si ça te dérange, tu t'en vas toi aussi. Ici, tout va changer, et celui à qui ça ne plaît pas, qu'il s'en aille. À cause encore de cette maudite femme. Cette Miranda n'arrive pas à la cheville de ma chère maîtresse. Eh ouais, c'est clair. Corrie, on va bien se marier. Salut. Bon, vous me reconnaissez? Je suis Victoria Valadares, la sœur de Miranda. Bien sûr, s'il n'y a aucun problème que je sois ici chez vous, monsieur Lombardi. Comme vous m'avez viré l'autre fois. Mon oncle, je l'ai invité. S'il y a un problème, tu nous le dis et on part tout de suite. Évidemment. Évidemment que non. C'est bizarre. Maintenant, l'homme est en train de ressentir les méfaits du vice. Parce qu'il joue comme un vicieux, effréné. Oui. Il doit être désespéré. Il a perdu des montagnes d'argent. C'est pourquoi je t'ai appelé. Il va sûrement me demander un nouveau crédit. C'est complètement le cas. Mais tu vas lui refuser, Javier. Ça va être un moment critique. Il est en train de perdre toute crédibilité devant tout le monde. Il sera comme un irresponsable devant tous ses associés, endetté et tourmenté. Oui, la débâcle, sans aucun doute, peut générer de la panique. Quand tout le monde le saura, ce sera la fin. Raimundo est entre mes mains, Javier. J'ai seulement vécu toutes ces années pour vivre ce moment. C'est mon moment. Mon oncle, j'ai besoin de te parler de toute urgence. Ah, German, mon Dieu, je n'ai vraiment pas la tête à faire des réunions en ce moment. De quoi il s'agit? Écoute, je ne veux pas t'alarmer, mais César et moi, nous avons découvert un déficit dans les finances.
C'est de moi que dépend en ce moment toute la vie future de cet homme. Mmh. Et j'imagine qu'il est bien obligé de rendre des comptes clairs à l'entreprise. C'est le cas. Il doit expliquer tous ses retraits continuels sans justification, même en faussant la réalité. Cet homme ne pourra pas expliquer ce manque. Et à tout moment, les avocats de l'entreprise vont demander un audit, et quand ceci arrivera, il sera dans l'obligation de remettre le capital soustrait. Ce qu'il ne va pas faire, ils vont l'expulser du consortium. Il sera humilié et ira en prison. Et pourquoi tout ça, Andréina? Pourquoi? Germaine, mon garçon, aujourd'hui je ne me sens pas très bien. Non, ne viens pas me remplir la tête avec ces bêtises. Un autre jour, nous vérifierons ces manques. Mon oncle, tout ça est très grave. Ce ne sont pas des bêtises. Il s'agit d'une somme d'argent très importante qui peut signifier la faillite pour nos entreprises. Mais d'accord, si tu es très fatigué, nous pouvons remettre la réunion à un autre jour. Mais il ne faut pas qu'il passe trop de temps. Et surtout qu'Andréina et Alejandro ne suspectent même pas ce qui se passe. Comment il a pu se passer ça? Comment, mon garçon? C'est une punition! Oui, une punition! À 14 ans, j'ai assisté à la mort de mes parents dans un autre pays et en pleine pauvreté. Mes parents n'ont eu que l'aide de mes oncles et tantes Ferrer. Mon père était l'ami et l'associé de Raimundo Lombardi. Mais Raimundo avait une terrible obsession sexuelle pour ma mère, et ceci, évidemment, l'a traumatisée. Et l'a perturbée nerveusement. Non. Je ne peux pas y croire. Le refus de ma mère causait une haine terrible à Raimundo. Il a trahi mon père, Javier. Il l'a accusé d'escroquerie. Et il l'a amené en prison par vengeance. Alors mes parents ont dû retourner en Espagne ruinés. Et jamais... ils n'ont pu surmonter cette traîtrise. Je comprends ce que tout cela a pu signifier pour toi. C'est pourquoi je ne peux pas avoir de miséricorde envers cet homme. Je ne peux pas. Cet homme est un mensonge. C'est une pure apparence. Ça n'est qu'un délinquant, Javier. Il n'a pas eu de pitié avec mes parents. Et je ne vais pas en avoir pour lui. Je regrette. Je regrette beaucoup. Mon ami. Je regrette. Nina! Nina! J'arrive! Maintenant, oui, j'y vais. Lui, il s'est endormi. Oui? Ok, tout va bien. D'accord. Je vais d'abord au foyer, après je vais au consortium et tu m'appelles... Très bien. Pour n'importe quoi, hein? Bien sûr, Madame Miranda, ne vous inquiétez pas. N'ouvre la porte à personne. Comme toujours. Miranda, réponds, s'il te plaît. Allez, Miranda, réponds, s'il te plaît, ne me laisse pas tout seul. J'ai besoin de te parler, j'ai besoin d'entendre ta voix. Allez. T'es où, toi? Hein? T'es où, s'il te plaît? Dis-moi. Vengo de esa gota de rocío que ha empañado todos los sentidos. Vengo del frío. Vengo naciendo, aunque venga algo muerto,
Y ahora en tu piel vengo a esconder mis versos. Vengo queriendo ganarme tu alma. Il n'y a pas d'identification de l'appel, aussi je le prends pas. Non, 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 ne réponds pas. Prends soin de toi. Au revoir. Ciao. Prends soin du bébé. Bien sûr. Bon, alors je pense que ceci peut faire partie des modèles que nous allons utiliser pour la collection. Je ne sais pas si tu es d'accord, si nous faisons quelques modifications, nous la ferons sur le corps des jeunes filles. Ils sont très beaux, n'importe lequel des deux me plaît beaucoup. Tu prends la décision. Qu'en penses-tu si nous faisons un voyage en Europe? Mais en tant qu'associé, hein, bien sûr, parce que après la renommée que m'a faite Obregón en Espagne, je suis déjà sur le point de rendre visite à toute la royauté. Oh, je m'imagine déjà le prince, la reine, l'infante. C'est fini, mon amour, les 15 et les dernières. Grégory, tu crois que ça pourrait être une robe qui illuminera la top modèle blonde, dis-moi? Ah oui, my darling, ça va très bien lui aller. Ah, si, vraiment. Emmène-le. Oui, vraiment. J'en ai maintenant fini de ces défilés dans les hôtels pourris et lugubres. Ce qui vient est grandiose. Ce qui vient, le futur, c'est... toi et moi, voilà. Plus qu'associés, hein. Elle est belle, non? Et qui donc t'a dit à toi... celle-ci, oui, d'accord. ...que je voulais désassocier? Ah, tu ne veux pas t'associer à moi? Pose-moi ça, attends. Non, Grégory, descends de ton nuage et mets-toi à travailler sur les designs que je t'ai demandé. Bleu, c'est pas mal. Allons, mon amour, tu sais ce qu'il en est? Je ne vais pas bouger un seul atome de matière grise. Seulement si nous devenons associés, parce que je vais te dire une bonne chose, hein, j'en ai assez de toutes tes insultes, de tes cris et de tes élans d'assassin et tu vois, pour ça, pour un salaire comme ça, non. Plutôt pour Grégory, mon tout petit, cesse tes petites charlataneries. Parce que ton futur productif se trouve ici. Moi, ça, c'est ta taille, en travaillant pour moi. Oh, ça tire très bien. Bah non, mon amour, mon futur est beaucoup, beaucoup plus large. Ça, celle-là, écoute, elle est pour moi. Je suis à un doigt de... regarde. Oh, le mot m'a échappé. Hein, parce que tu peux devenir comme folle et sortir une arme ici. Je suis sur le point de côtoyer la célébrité, l'argent, le glamour et les adulations. Hein, parce que moi aussi, j'ai mon ego émancipé. Ainsi, tu le prends. Où tu le laisses? C'est pas si évident. Oh, j'aime pas la tête. Et l'alcool, bon, n'est qu'un monstre créé par nous-mêmes. C'est une porte qui s'ouvre vers un abîme qui nous détruit. Et nous savons tous que cet abîme, l'origine de cet abîme, ce sont des fantômes qui nous entourent, terribles, comme la solitude, le désamour, l'insécurité. Mais tous nous avons la capacité de les vaincre. Et bon, moi-même, je suis un exemple de cela. Parce que je me suis vue critiquée, humiliée, rejetée par tous. Mais enfin, je me suis rendu compte qu'il existe autre chose. Que, oui, nous pouvons voir qu'il existe une nouvelle aube. Atterris-toi, mon cœur, parce que tu passes ton temps dans un monde de fantaisie en rêvant de célébrité. Ah, Reïsa, mais regarde-toi un petit peu. Ceci est maintenant dépassé. Regarde autour de toi, figure-toi, regarde. Tu vois, de nouveaux gens. Des gens heureux, un nouveau sang, des gens progressistes. Et toi, mon amour, tu es resté stationné au port du passé. Hein? À attendre un petit bateau appelé Leonardo Lombardi. Qui a fait naufrage pour te mener nulle part? Grégory, arrête-toi, s'il te plaît. Arrête-toi et ne m'enfonce pas. Allô? Ah, oui. Quel ennui. Prends, c'est le majordome. Pareil à Rebecca. Allô, Jimena? Oui. Quoi? Qu'en est-il?
J'arrive tout de suite. Ah. Mais... Grégory ? Mais qu'est-ce qui lui arrive ? Ah, mon amour. Va savoir ce que lui a dit la majordome. Bien sûr, avec la tête qu'elle a fait, la petite Raïsa. Hein. Bon, j'imagine que... Ce doit être une de ces choses qui la rendent folle. Ah, en ce qui concerne la société, ce sera pour un autre moment. Que du retard, mon amour. Vengo naciendo aunque venga algo muerto, y ahora en tu piel vengo a esconder mis versos. Vengo queriendo ganarme tu alma. Qui veut être la première dans la piscine? Hey, 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 vas-y, 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 toi. Nacho, toi tu es vraiment pareil, mon petit. Hey, mais bon, qu'est-ce que vous croyez? Vaurien? Nous croyons que nous sommes chez nous, Rimena. Pourquoi? Eh bien, c'est fini. Changez de vêtements et allez-vous-en, parce que Madame Raïsa arrive. Et je ne veux même pas penser à ce qui va arriver ici quand elle va apprendre. Si cette grande girafe vient me dire quelque chose, je vais la remettre à sa place, d'accord? C'est vrai, Rimena, parce que Vicky a beaucoup plus de droits d'être dans cette maison que Raïsa. Vicky a du sang lombardie, madame. Presque rien. D'accord. Eh bien, préparez-vous à en subir les conséquences. Et ensuite, ne dites pas que je ne vous aurais pas prévenu. Bande de vauriens. Ah, on revoit Terminator. C'est bon, t'inquiète pas, on sait se défendre, nous. Ou comme le dirait Reza, c'est parce qu'elle a jamais eu de petite amie. Bon, venez, venez, n'arrêtez pas. Continuons à fêter le fait que nous sommes des bacheliers de la République. Oui. Non, j'ai pour vous une nouvelle très sérieuse. Je suis prise aux Beaux-Arts à l'université. Super. Félicitations. Et en parlant du sujet, non, t'en penses quoi d'étudier? Ben moi, en fait, j'aimerais bien être ingénieur en informatique, mais petit à petit, tu vois. Vous savez quoi? Ouais. Moi, je vais en pharmacie. Tiens. Pharmacie. Ah oui. Moi, je vais en médecine, précisément. Nous avons besoin d'un autre médecin dans la famille, non? Ouais, c'est pas mal, ça, parce que tu pourras prescrire des médicaments au petit vieux de Corinna, c'est bien, ça. Hein. Salut. Salut, les jeunes, comment ça va? Salut. Comment tu vas? Salut, mon petit ange. Salut. Alejandro, tu veux un jus de fruits, quelque chose, ou... Bien sûr, bien sûr. Lucie, s'il te plaît, un jus de fruits pour Alejandro. Oui, bien sûr. Merci. Alejandro? Oui, je t'écoute. Dis-moi, cette musique ne te plaît pas? Si. Si? Si. On danse? Non. Écoutez, vous voulez danser? Venez ici. Allons-y. Allez, on va danser. Ouais. Oh ouais. Allez. J'adore cette petite. J'adore. C'est super. Ouais. Ça, c'est de la musique, hein. Super. Donne du coup, donne. Je vous ai apporté un petit café. Merci beaucoup, Macarena. De rien, Madame Andreina ne va plus tarder. Ok, merci. Mais qu'est-ce que tu fais ici, mon garçon? Avec la permission de qui, tu te permets de rentrer dans cette entreprise? Écoute, d'après ce que je sais, cette entreprise ne t'appartient pas dans sa totalité. Et j'attends l'une des associées les plus importantes. Non, mon garçon, sors d'ici. Ne m'oblige pas à manquer de respect à tes cheveux blancs. Mes cheveux blancs ne m'empêcheront pas de te faire respecter, Andreina. Tu es un profiteur, mon gars. Oui, toi, tu cours derrière l'argent d'Andreina. Parce que toi, tu as toujours vécu sur le dos des femmes, mon gars. Tu es un malheureux. Maintenant, ça suffit, Raimundo Lombardi. Et si tu ne peux pas respecter les autres, je vais t'apprendre. Que se passe-t-il, s'il vous plaît? Andreina, ce qui se passe, c'est que tu vas devoir choisir entre lui et moi. Je t'appelle plus tard. Écoute-moi bien. Ce type est un profiteur. Ce type, l'unique chose qu'il fait, c'est de vivre de l'argent des femmes. Il n'est pas intéressé par toi, ne te laisse pas tromper, Andreina. Calme-toi, s'il te plaît. Écoute-moi, écoute-moi. Moi, je n'ai jamais pu décevoir une femme. Je te veux à moi. Je te veux à moi. Seulement à moi.
Ça me rend fou le fait de t'avoir, Andréina. Dis-moi quand. Dis-moi où. Dis-moi où. Dis-le-moi, dis-le-moi. Dis-le-moi. Je te félicite. Réellement, ton discours aux alcooliques anonymes m'a énormément surpris. Merci. Tu veux boire quelque chose? Oh, pardon, pardon. Quel maladroit. Non, 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 non. Je veux boire quelque chose. Quoi? Une limonade bien fraîche. Une limonade. Je t'ai fait peur. Non, je vais te préparer sans limonade. Non, non, je veux le faire, je peux. Oui. Oui. Oui, bien sûr, évidemment. Ok. C'est juste que... Bon, excuse-moi pour le désordre. C'est que je suis seul et... Ah, s'il te plaît. César, oui, du fait d'être seul, c'est très bien ici. Alors, non, qu'est-ce non, que non, je peux non. faire? Je m'en occupe, sois tranquille. Tu sais, Fabiana, je... Eh bien, je te regardais, là, en train de parler avec ces gens de tes problèmes et... Waouh, on dirait un miracle. Je suis si fier de... Eh bien, de tout ce que tu as réussi. Et écoute, tu sais, j'ai vu bien des cas, des gens qui... Eh bien, qui rebondissent et qui se relèvent. C'est que... C'est très difficile. C'est un tourment horrible, désespéré. C'est une situation angoissante. Mais ce qui est bien dans tout ça, tu sais ce que c'est. C'est que vraiment, on peut surpasser ce vice. Oui, on le peut. Je suis si fier de toi. Qu'est-ce que vous dites? Quand ça? Oui, la nouvelle est déjà dans la presse. Moi-même, j'ai dû prendre la tête de l'enquête. Mon Dieu. Mon fils. Miranda et mon fils peuvent être en danger? Je le sais, mais sois tranquille, Leonardo. Sois tranquille. Je te préviens afin que tu prennes toutes les précautions nécessaires. De toute façon, j'ai déjà placé deux détectives pour surveiller Miranda et ton fils. Merci, Arturo. Et s'il vous plaît, maintenez-moi informé de tout. Vengo de esa gota de rocío que ha empañado todos los sentidos. Vengo del frío. Vengo naciendo aunque venga algo muerto. Y ahora en tu piel vengo a esconder mis versos. Vengo queriendo ganarme tu alma. Ah, César, grâce à Dieu. Peu à peu, je suis en train de sortir de ce mauvais rêve. À ta santé. Santé. Tu sais, Fabiana, ça m'a énormément plu. Eh bien, cette façon dont tu as partagé en public, avec tes camarades, ce problème. C'est que... Tu ne peux pas savoir... la grande joie que je ressens. Tu sais, Fabiana, je... Je savais que derrière cette jeune femme ironique et moqueuse, qu'il y avait une autre femme. Et c'est celle que j'ai ici. Là, juste en face de moi. Et qui non seulement me comble d'amour, mais de beaucoup de fierté. Fabiana... Fabiana. Que se passe-t-il? Marie-toi avec moi. Maman, je suis très inquiet. Pourquoi? Que se passe-t-il? Il s'agit de Dario Antonetti. Encore la même chose? Mais c'est que ta jalousie est maladive, définitivement. Non, il ne s'agit pas de ça. Et alors? Dario Antonetti s'est enfui de la prison. Le commissaire lui-même vient de m'appeler. Antonetti est en fuite. Ah, mon Dieu. Rita, Madame Miranda est partie, je n'ai pas pu lui donner le message. Et que disait-il? Qu'elle appelle le commissaire Santaella. Oh, tu es vraiment maladroite. Oh. Je te le dis, Miranda. Je te le dis, ne me défie pas, Miranda. Ne me défie pas, hein. Écoute, je te parle sérieusement, je te parle sérieusement.
Non, je vais pas permettre que tu reviennes dans les bras de ce misérable. Je ne vais pas le permettre. Je ne vais pas le permettre. Je suis prêt à courir le risque, quel qu'il soit. Mais tu vas être à moi, Miranda. Rien qu'à moi, tu comprends ça? Tu vas être à moi maintenant, c'est fini. Quoi qu'il en soit, tu comprends? Salut. Salut. Comment ça s'est passé aujourd'hui? Très bien. Ah, mon amour, arrête. Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne te plaît pas? Bien sûr que si, mais je vais me couper. Tu ne vas pas te couper, coquine. De plus, nous devons profiter que nous sommes seuls. Et puis que les jeunes sont en train de fêter leur examen et que ces jeunes qui sont ici ne savent rien de rien. Allons, mon amour, laisse ça pour après. Pour après quand? Et après, nous allons faire des biberons et changer des couches, hein? Nous n'aurons pas du tout le temps pour ça. Ah, c'est vrai. Nous devons en plus tout acheter en double, n'est-ce pas? Sois tranquille, il nous reste beaucoup de temps. Allez, mon amour, écoute, sinon nous n'allons pas manger. Tu es en train de faire un désastre en bon, plus. Bon, d'accord, mais s'il te plaît, fais-moi un bisou. Alors, un bisou avec fougue. Mon amour. Allez. Excusez-moi. Ah, tu tombes toujours trop bien, toi. Mais va voir qui c'est peut-être quelque chose de grave. Salut, les amis. Bon, et vous avez appris la mauvaise nouvelle, les gars? Quelle nouvelle? Qu'est-ce qui se passe? Ah non, si c'est quelque chose de mal, ne le dis pas, s'il te plaît. Mais non, mais j'en sais rien, mais tout dépend de ce que ce fou a en tête, moi je sais pas. Mais quel fou? Dario Antonetti, mon vieux, Dario Antonetti. Tu parles du fou du volant, là? Lui-même, mon pote, lui-même. Oh non. Il s'est enfui de la prison, alors. Et non. C'est vrai, c'est une alerte rouge, mon pote, une alerte rouge. On est en danger, là, tu vois, Miranda en plus. Nina! Nina, je suis arrivée. Ah. Et le bébé? Comment il se porte? Nina? 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 Mon bébé! Nina? Nina? Cet enfant est à moi. Il est à nous deux. Ah non, que ce soit pas ça. Ah, c'est pas vrai. Où es-tu, Miranda? Pourquoi est-ce que tu ne réponds pas du tout au téléphone? Incroyable! Non, mais c'est pas possible! C'est ce qu'on fait avoir une solution! C'est pas possible! Plinio, j'ai besoin de retrouver Miranda. Tu es sûr qu'elle n'est pas allée au foyer? S'il te plaît, si elle arrive, dis-lui de m'appeler. C'est urgent, Plinio. Qu'elle m'appelle. Tu as trouvé Miranda? Non, elle ne répond pas au téléphone. Moi non plus, je ne peux pas la localiser. Je ne la trouve nulle part. Ça m'effraie, Leonardo. Moi aussi, je suis vraiment très inquiet. Antonetti est capable de n'importe quoi. Bon, écoute, je vais d'abord passer à la maison, mais avant, je vais passer un coup de téléphone et j'y vais. D'accord, je te retrouve là-bas. Bien, bien, d'accord.
Mais enfin, madame, il faut appeler la police. Vous pouvez pas rester comme ça. La dame de service est-elle de confiance? Parce que je connais le cas d'une domestique qui emmenait un petit enfant et ils ne l'ont plus jamais vu. C'est pas possible. Souvenez-vous celui qu'on a montré à la télévision. Imaginez, ils ne l'ont retrouvé qu'à l'âge de 15 ans, ce jeune homme. C'est incroyable, vraiment, de ne plus faire confiance à personne. Nina, Nina! Nina, mais où étais-tu passée? Madame Miranda, j'étais avec Leonardo dans le parc parce qu'il y avait des petits enfants, et c'est tout. Alors je l'ai emmené. Nous étions en train de jouer avec les fleurs, et alors... Oh, mon petit cœur. Oh, j'ai cru qu'on t'avait kidnappé. Oh, mon prince, mon amour. Kidnappé? Kidnappé? Mais mon enfin. Dieu, Madame Miranda, comment pouvez-vous croire que j'aurais laissé kidnapper le bébé? Oh, mon petit garçon, mon amour. Oh, mon Dieu, merci qu'il se soit rien passé. Oh, mon amour, je suis presque morte de peur lorsque je t'ai pas trouvée à la maison. Oh, mon petit amour. Oh. Oui, Santa Ella a confirmé la fugue de Dario. Il a prévenu Leonardo. Je l'ai appelé, mais malheureusement, je ne l'ai pas eu. Mais nous aussi. Je vais passer dans son appartement. Ok, ok, très bien. On se voit là-bas. Oui, oui, je t'attends à la maison. Ah, mais qu'il est beau. Qu'il est beau. Il est très beau, n'est-ce pas? Quelle belle rose rouge. Voyons oui. voir. Profitez-en qui bien. Qui l'a écrit? Permettez-moi. Oh, Raimundo Lombardi, Raimundo Lombardi. Oui, c'est pour que tu m'excuses pour oh, le... Oh, qu'elles sont belles, Raimundo. Merci. Elles sont ravissantes. Regarde cette couleur. Est-ce que tu me pardonnes? Nina, s'il te plaît, ne t'éloigne plus de la maison, je t'en prie. Mais madame, écoutez... J'étais dans la rue de derrière. Dans cette rue, il y a un petit parc et j'ai pensé, bon, que ça allait faire du bien à Leonardo de prendre l'air frais. De voir des petits enfants, de voir les fleurs. Écoutez, il y a des fleurs. Nina, s'il te plaît, tu dois faire attention. Extrêmement attention. Tu sais pourquoi? Non. Dario s'est échappé de la prison. Et donc mon fils peut être en danger. Il s'est à nouveau échappé. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe, Alejandro? Tu as eu de mauvaises nouvelles? C'était Federico Carvajal. Tu sais quoi? Il s'avère que Dario Antonetti s'est enfui de la prison. Comment? Qu'est-ce que tu dis? Quoi? Alors ce fou est libre? Ah non. Ah, c'est pas possible. Oh mon Dieu. Oh non, allons, comment? Tu t'imagines la frayeur par laquelle va passer Miranda quand elle l'apprendra? Si elle ne le sait pas déjà. Non, imagine-toi mon oncle Leonardo. Il doit être furieux. Bien sûr, vu le mal qu'on a eu à le faire enfermer. L'assassin qui a tué mon père et ma mère. Et ma grand-mère. Nana, écoute, mon amour. Tu sais, ces types, quand ils sortent, c'est des hommes morts. Ce sera pas une exception, lui. T'inquiète pas. Honnêtement, moi, ça m'a semblé de très mauvais goût que vous vous disputiez, Raimundo. Ceci... est un lieu de travail qu'apparemment personne ne respecte. Oui, tu as raison, c'est pourquoi... C'est pourquoi je te demande pardon. C'est que vous, ici, vous exposez votre vie sans retenue. Il y a tant de problèmes personnels pour lesquels vous vous disputez ici. Oui, bon... Andrina, je ne suis pas coupable du fait que cet individu soit venu me provoquer. Il est venu parler avec moi. Pas te provoquer, Raimundo. Le fait est que tu es très impulsif. Tu ne te contrôles pas. Oui, bon, tu as raison aussi en cela, c'est vrai. Décidément, tu me plais beaucoup trop. Oh non. Tu me plais beaucoup, Andréina, et peut-être que oui, je suis trop primitif en te l'exprimant, tu vois, oui. C'est que, écoute, ce qui se passe, c'est que moi, j'aime être abordée avec élégance, conquise sous d'autres paramètres. Moi, la violence me dérange. Par exemple, ça m'éloigne. Alors, s'il te plaît, apprends à me connaître. Oui. Ah, ce téléphone. Allô?
enfin je te trouve. Je t'ai appelé, où étais-tu ? Ça ne te regarde pas. Bien sûr que ça me regarde, Miranda. Ne sois pas capricieuse. Je ne sais pas si tu sais que Dario s'est enfui de la prison. Tu dois prendre des précautions, Miranda. Ah oui, je l'ai déjà appris, mais je vois pas pourquoi tu t'inquiètes autant, non ? C'est ma vie. Et la mienne aussi. Parce que toi, maintenant, tu es un enfant de moi. Et même si tu me rejettes, je ne cesserai pas de te protéger. Ah écoute, je sais me protéger toute seule. Au revoir. Maintenant, oui. Qui voudra-t-il tromper avec cette inquiétude ? Ah, s'il te plaît, comme si je te connaissais pas. Eh bien alors, Oui, je te promets que désormais, j'essaierai de contenir absolument toutes mes impulsions. Pas seulement les contenir. Je veux aussi que tu me promettes de ne pas continuer à écraser mes amis. Non, Andreina, moi l'unique chose que je désire, c'est t'alerter au sujet de Federico Carvajal. C'est un traître, il a trahi la confiance de mon fils. Je te rappelle que je connais déjà l'histoire, Raimundo. Et je ne suis pas en train d'exiger le curriculum de mes amis. Mais il n'est l'ami de personne, ni ne peut être l'ami de personne. Est-ce que tu comprends, s'il te plaît ? Écoute, je préfère en tirer mes propres conclusions, sans être préjudicié par des critères extérieurs. Tu vas le regretter, crois-moi. Bon, c'est ma manière d'agir, Raimundo. Et si ça ne te plaît pas la façon dont j'agis personnellement, bon, alors nous allons commencer à nous limiter strictement au commercial. Non. Attends, pas ça. J'ai besoin de toi, Andreina. J'ai besoin de ton amitié. Bon alors, mon ami, laisse-moi être moi-même. Parce que vraiment, je ne supporte pas qu'on me mette la pression. Bon après-midi. Jimena, tu peux m'expliquer ce que font tous ces gens ici, hein? C'est que définitivement, je vais les virer à l'instant d'ici, et surtout la sœur de Miranda Valadares. Non. Raiza, ne fais pas ça, s'il te plaît. Comment ça, non? Il se trouve que c'est ma maison. Et non, ça ne l'est plus. Tu dois partir immédiatement. Mais tu n'es pas sérieuse? Ce sont les ordres précis de Monsieur Leonardo. Vengo del agua que el tiempo oscurece, de esas miradas que ya ni se miran. Vengo queriendo colgar en paredes todas mis ansias, batallas perdidas. Vengo volando y despeinando, vengo soñando y calculando mi aterrizaje en tu dilema. Vengo del viento recién cortado, y es que yo vengo desde mar adentro, cargando las luces de todo el universo para alumbrarte un beso. Vengo naciendo aunque venga algo muerto, y ahora en tu piel vengo a esconder mis versos. Vengo queriendo ganarme tu alma, tu soledad rellenarla de encuentros. Vengo perdido y algo aturdido, vengo midiendo y susurrando un gran asalto a tu sonrisa. Vengo dispuesto, vengo esperando, y es que yo vengo desde mar adentro, las luces de todo el universo para alumbrarte un beso. Vengo de esa gota de rocío que ha empañado todos los sentidos. Vengo del frío, de las nostalgias. Vengo de esa lluvia pasajera que ha empapado todos los caminos. Vengo de un hilo y con sonido vengo a contar contigo.
todo el tiempo que nadie calcula. Vengo moldeando una luna perdida. Si con mi voz puedo cerrar tu herida, que esta garganta sea tuya y no mía. Vengo queriendo.